17h passé de quelques secondes, vous écoutez toujours Radio M et le 17-19 qui s'intéresse évidemment à Valentine Lady Story. On a déjà eu l'occasion d'entendre la voix de cette demoiselle venue du Tail et qui vous attend tous les 15 jours sur sa chaîne YouTube pour des nouvelles reprises, des nouvelles compositions. À savoir aussi que vous aurez droit à quelques infos concernant ses prochains concerts. Et pour ceux qui ont un petit peu la flemme d'aller directement sur YouTube, si vous êtes d'ores et déjà sur notre site internet, vous trouverez chaussures à votre pied, chers amis. Ça se passe sur www.radiom.fm. Relève un peu la tête pour voir. Boum, salut internaute. Ok, pour le timing, on est bon. Du coup, pour ce blabla, je vais essayer de faire bref. Essayer. Que la chanson que j'ai choisie, la chanson que je vais interpréter, la traduction, en gros, femme ne pleure pas. Ouh. Le titre, en fait, de cette chanson est en créole. Et non, comme beaucoup le savent déjà, j'espère, ça ne veut pas dire pas de femme, pas de larmes. Non. C'est pas ça. Voilà, un décor assez particulier où peut-être beaucoup vont se demander, tiens, c'est où ce truc bizarre. Je l'ai découvert grâce à une personne que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ont le goût de regarder jusqu'au bout, je fais un mix d'une autre chanson aussi, qui est bien sûr du même artiste. Du coup, je vous laisse visionner le clip, on se retrouve après, générique. No woman, no crime.
On est dans le studio de Just Listen. Juste à côté, on a Radio M. Donc, du coup, merci Ben et Thomas pour l'enregistrement. Regarde. Pour la prochaine vidéo, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de changement, je la ferai pas seule. Ça sera au minimum un duo. Peut-être y aura d'autres invités, mais en tout cas, voilà, je serai accompagnée pour mon blabla et pour la chanson. C'est tout. Nous revoilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour faire les merci, merci, merci tout le monde. En premier, c'est sûr, merci, donc je pourrais l'appeler Florence, mais comment dire, c'est quand même ma maman, du coup je dis merci maman. Déjà d'avoir pensé à moi en ayant découvert ce coin un peu par hasard. Du coup, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, faut me le dire, ou me laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé, en laissant un pouce en l'air. Vous pouvez aussi partager. Ensuite, alors j'aurais bien aimé mettre derrière moi le vinyle de la chanson, ou en tout cas de l'artiste que j'ai chanté à l'instant. Voilà, malheureusement je n'en ai pas encore de lui. Ah. Du coup, ben, j'en ai mis un tout à fait sympa qui n'est pas du tout du même style. Mais par contre, franchement, c'est trop classe. Génial. Ouh, dédicacé, oulala. C'est ça. Ouh, c'est très joli. Donc voilà, c'est beau. Donc tout ça, génial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc je vous avoue, en ce moment je passe beaucoup de temps à regarder des youtubeurs, à regarder des vidéos YouTube. Ça fait un bon moment que je regarde plus la télé et je crois que ça se compte même en années. Moi en ce moment je suis un peu dans le délire du cerveau, de la mémoire, un petit peu aussi dans le délire du mentalisme. Grâce à toutes ces vidéos YouTube, c'est vrai qu'elles m'inspirent, ces youtubeurs ils m'inspirent, ils me donnent des idées, ils me donnent envie d'ailleurs. C'est eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos, de faire des blabla, pas seulement des clips aussi. Oui, j'ai conscience que le youtubeur dont je vous parlais maintenant, je pense que ça n'a pas de rapport avec la musique, ça n'a pas de rapport avec les vidéos que je fais, bon ok. Mais par contre, voilà, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses vidéos. Du coup je me permets de parler de lui parce que je pense que ça va plaire à beaucoup de gens, moi ça me plaît beaucoup. Il est assez neuf sur YouTube, il n'a pas encore beaucoup d'abonnés, bon quand je dis beaucoup, il est quand même passé à 261 004 abonnés. Ce qui est déjà pas mal. Moi si je dis pas de bêtises, j'en suis à 20. C'est pas mal aussi, hein. Y a un début à tout. Moi je voulais vous parler de Max Bird. Ouh là là, donc je vous montre un petit peu. Ouh, c'est génial. Si je recule un peu, sauf que le problème c'est qu'il va être à l'envers quoi. Mais bon, en gros il y a marqué, pour ceux qui voient pas, c'est marqué à l'envers, mais il y a marqué les idées reçues. Donc sa chaîne ça tourne beaucoup autour de ça, à savoir qu'il se produit beaucoup sur scène. Si je l'ai vu sur On ne demande qu'à en rire, cette émission je la connaissais pas, et ben franchement cette émission elle est trop bien. Il y a quoi, il y a les vidéos, il y a aussi Pierre Cross qui est passé, bon dans la je vais vous mettre dans la description. Dans la description de ma vidéo, je vais vous mettre son lien. Dans quelques secondes, il y a sa chaîne YouTube qui va apparaître, genre, je sais pas, là, c'est pas mal. Eh, Jamie, petit spoil, désolé pour vous donner un indice de qui était l'invité dans sa dernière vidéo. Enfin, et du coup, il fait une vidéo. Oui, je suis sur mon carrosse, mais ça, c'est un. Voilà, vu que je sais pas trop en faire, bah, du coup, c'est un super siège, c'est génial. Max Bird. Max, qui est un grand passionné d'oiseaux, d'où sûrement Bird. Après, j'ai pas vu son spectacle, du coup, je connais pas trop l'origine du coup de son surnom. Après, j'ai bien compris qu'il aimait beaucoup les animaux, qu'il
il adorait les oiseaux, tous les noms latins qui vont bien avec, les trucs qu'on retient jamais. C'est quelqu'un de très très drôle et en plus qui dit plein de choses intéressantes. Il me semble que j'ai dit au début que mon blabla serait bref. Évidemment, je parlais du blabla avant le clip. Celui-ci, j'avais des trucs à dire, du coup, ben je l'ai dit, bon, c'est génial. Et pour venir un petit peu plus dans le sujet, un grand merci d'être encore là avec moi, de regarder vraiment jusqu'au bout. Surtout, pensez à vous abonner en cliquant ici, ça peut servir. Cliquez aussi sur la cloche qui doit être par là si vous êtes bien sûr sur YouTube. Après, comme je vous le rappelle, c'est toujours une vidéo tous les 15 jours. Pour l'instant, je m'y tiens et j'y tiens. Je vais conclure cette vidéo en vous disant, faites l'amour, pas la guerre, prenez soin de vous. Ciao, ciao.